Bonjour à tous. Comment le Rassemblement national juge-t-il la situation économique et sociale en Guadeloupe? Quelle est la position de la représentation locale du parti sur la question du port du masque à l'école? Les dernières mesures prises pour lutter contre le Covid en Guadeloupe sont-elles excessives? Rodi Tolassi, le délégué départemental du Rassemblement national en Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Rodi Tolassi, bonjour. Bonjour, Monsieur Fandéré. En cette journée internationale des droits de la femme, quel est le message du Rassemblement national pour les femmes de Guadeloupe? Le message, c'est qu'il faut continuer le combat pour que la femme soit reconnue et surtout le droit de la femme soit reconnu au sein de notre société. Nous savons que c'est très compliqué. Nous avons une société où souvent les violences faites aux femmes et d'autres violences psychologiques ou autres sont faites. Donc il faut continuer cette lutte, que les femmes continuent, mais aussi qu'elles soient accompagnées par les hommes et surtout les hommes politiques de notre société. Oui. L'INSEE nous l'indique encore aujourd'hui, les écarts de rémunération persiste entre hommes et femmes, à l'avantage des hommes, hein, évidemment, même dans la fonction publique, qu'elle soit d'État ou territoriale. Oui, c'est un fait extrêmement grave et préoccupant lorsque nous savons que nous sommes quand même en 2021 où nous avons beaucoup d'avancées majeures en termes de démocratie, en termes d'égalité et que les femmes se retrouvent toujours à un niveau en deçà de celle de l'homme. Ouais, et comment faire pour changer tout ça? Ben, il faut y aller, il faut taper du poing sur la table. Il faut que nous puissions mettre à égalité les salaires en termes de compétences, que nous y allons point par point, étape par étape. Et c'est un combat qui sera long et difficile, mais il faut le mener. Pas facile non plus pour les femmes de se faire une place sur la scène politique. La parité a-t-elle tout réglé ? Non, la parité n'a pas tout réglé, mais c'est la politique en elle-même qui arrive à un stade où j'ai l'impression qu'elle s'essouffle. Même pour même les hommes, on a du mal à trouver des hommes, on a du mal à trouver des candidats. C'est vraiment compliqué aujourd'hui. Je crois que c'est le citoyen dans sa totalité qui se détourne de la politique à cause des dégoûts du passé, des affaires qu'il y a eu. C'est un ensemble. Effectivement, les femmes sont moins présentes. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est un ensemble. C'est l'ensemble des citoyens qui se détournent de la politique aujourd'hui. – Rodi Tolassi, parlons à présent de la situation du pays Guadeloupe. On l'a vu, samedi à Pointe-à-Pitre, la colère sociale monte, elle gronde même. Est-il encore possible de la contenir ? La contenir, c'est beaucoup dire. Quand nous savons que nous avons une société où le chômage, ça fait des années, quasiment 20 ans que le chômage est à plus de 20%, plus de 25%, que notre société est dans une précarité extrême, que nous avons un grand pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté, est-ce que nous pourrons encore contenir cette tension sociale qui monte sans cesse, sachant que quand même nous avons eu des stigmates de 2009 qui font que la société a du mal à se mobiliser aussi, il faut prendre ça en compte. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas de contenir la tension sociale, mais c'est bien d'apporter des solutions en termes d'emploi, en termes de pouvoir combattre le chômage, en termes d'avancée sociale pour nos concitoyens et de pouvoir d'achat. C'est très important de rattraper le retard que nous avons sur l'Hexagone. Il faut donc entendre cette souffrance du monde du travail aggravée par la crise du Covid. Oui, il faut entendre d'ailleurs toutes les souffrances. Il n'y a pas que le monde du travail. On a beaucoup de chômeurs, on a beaucoup de personnes retraitées aussi. Nous sommes une population vieillissante. Il faut penser à tout le monde aujourd'hui, pas seulement aux personnes qui travaillent, mais il faut penser à tout le monde et apporter des réponses à notre société parce que ça fait longtemps que ça dure. Et la réponse, elle doit être politique avant tout. Mais elle est uniquement politique. C'est que la politique qui peut nous donner des réponses à ces problèmes. Ce n'est pas les tensions sociales, ce ne sont pas les grèves à répétition, les manifestations. Au-delà de tout ça, en finalité, c'est la réponse politique qui doit primer. Il faut aider davantage les entreprises pour qu'elles ne licencient pas. C'est ça le danger pour nous aujourd'hui en Guadeloupe. Il faut aider les entreprises à investir, à créer de la richesse. C'est le plus important. Le licenciement… – Mais là, dans l'urgence. – Quand on arrive au licenciement, oui, il faut aider les entreprises. – Elles le sont déjà, mais il y a quand même des licenciements. – Nous, au Rassemblement national, on avait demandé, lorsque des entreprises sont obligées de fermer à cause des mesures Covid, qu'on leur donne 1 500 euros par salarié et 1 000 euros par entreprise. Donc s'il y a 10 salariés, c'est 10 fois 1 500 euros pendant le temps de fermeture mensuellement. Donc il y a des mesures à mener, il y a des choses à faire pour aider les entreprises, mais aussi, je voulais dire que cette crise quand même que nous avons sociale,
Et cette crise que, à laquelle sont confrontés nos chefs d'entreprise aujourd'hui sont dues à cette mauvaise gestion. Ça fait un an quand même que nous sommes dans une crise sanitaire grave et que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Alors, on ne va pas refaire le match, comment se sont passées les choses, mais aujourd'hui, si nous sommes dans cette situation, c'est parce que le gouvernement a mal géré la situation. La violence semble reprendre le pas dans notre département. On l'a vu, deux meurtres en quelques heures ce week-end. Les armes qui circulent, c'est compliqué d'éradiquer ces armes en circulation et dont on se sert aisément. Non, mais je ne pense pas que ce soit compliqué. Il y a une question de volonté politique. Et j'ai fait un communiqué aujourd'hui, notamment, parlant des filières d'immigration. Alors, certains vont dire, vont faire des raccourcis, penser que je parle d'immigrés, je fais le rapprochement entre la violence et les immigrés. Ce n'est pas ça. C'est que les filières d'immigration, ce sont celles qui nous apportent les armes de guerre que vous avez pu voir dans les vidéos ce week-end, parce qu'il était question de ça. Ce sont des armes, des fusils d'assaut qui sont présents sur notre territoire. Ça n'arrive pas par l'aéroport ni par le port autonome, ça arrive par les mêmes filières qui sont empruntées par les passeurs d'immigrés. Eh bien, ils font entrer des armes sur notre territoire, ils font entrer de la drogue aussi, et qui permet à notre jeunesse, permettre c'est beaucoup dire, une partie d'être clochardisée, une autre partie avec cette drogue d'avoir la démence suffisante pour pouvoir commettre des crimes aussi, aussi horribles. Oui. Et la réponse des autorités n'est pas suffisante? Non, elle n'est pas suffisante du tout. Nous n'avons aucun moyen de contrôler d'ailleurs la mer, nos frontières. Nous savons que la Dominique a fait un peu un business avec l'immigration parce que c'est l'un des seuls endroits où on peut un peu atterrir sans visa. Et vous avez des passeurs qui arrivent. Il n'y a aucune protection qui nous permet aujourd'hui d'arrêter ces trafics-là. Qui nous arrive de plein fouet. Et donc, il faut s'y atteler, c'est ce que vous dites? Il faut s'y atteler, si on veut combattre la violence, il faut s'y atteler pour d'abord… Donc déposer les armes, ce n'est pas suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment taper du poing sur la table. Il faut aller là où, vers ces filières de trafic d'armes, etc. Mais aussi, je crois que la réponse judiciaire aussi doit être au niveau. Parce que lorsqu'on voit le nombre de petits braquages à main armée qui n'ont pas mal tourné en finalité, il n'y a pas eu de mort, etc. Il n'y a jamais une condamnation pour ces personnes-là. Je crois que la justice faillit à ce moment. La justice condamne quand même. La justice condamne, mais est-ce que le nombre d'enquêtes aboutit lorsqu'il n'y a pas un mort? Voilà. Très bien. Sur la gestion de la crise du Covid en Guadeloupe, Rodi Tolassi, votre position sur le port obligatoire du masque dans les classes du primaire? Ma position, à titre personnel, je n'aurais pas infligé un masque à un enfant de 6 ans à l'école primaire. Je trouve ça un peu absurde de le faire. Après, je comprends que les autorités puissent chercher tous les moyens d'endiguer cette crise, mais je crois sincèrement que les parents doivent avoir le libre arbitre à cet âge-là de pouvoir savoir qu'est-ce qui est bon pour leur enfant, pas de masque ou le masque à l'école, ça doit être leur libre arbitre. – Donc vous soutenez les parents mécontents ?– Je soutiens tout le monde. – C'est-à-dire ?– Mais je soutiens ceux qui ne sont pas contents, qui ne veulent pas avoir le port du masque, mais aussi ceux qui veulent avoir le port du masque à l'école, ils doivent avoir le choix de le faire tranquillement. – Très bien. Et ce couvre-feu qui est en vigueur depuis hier soir, de 22h à 6h du matin, c'était nécessaire ou c'est trop ? Nécessaire, c'est beaucoup dire, mais lorsqu'on voit que le préfet nous a avertis à plusieurs reprises et a attendu pour mettre ce couvre-feu, sachant que le nombre de cas augmente, il aurait dû faire ça beaucoup plus en amont. Comme ça, nous aurons eu beaucoup moins de cas et nous serons sortis de ce couvre-feu beaucoup plus rapidement. Après, je ne suis pas en accord avec ces histoires de couvre-feu. Je crois que les gestes barrières sont importants. Je crois aussi que cette campagne de vaccination doit être menée réellement, elle doit battre son plein. – Il faut l'intensifier. – Il faut l'intensifier pour ceux qui veulent se faire vacciner, pour les personnes sensibles aussi, les personnes âgées, il faut intensifier la campagne de vaccination.
Dans le dossier de l'eau, les choses ont l'air de s'agiter, de bouger un peu. On a l'air d'y voir un petit peu plus clair sur les intentions du gouvernement. Les élus locaux doivent résister et tout faire pour garder la main à travers le SMO. Non, mais sincèrement, les élus locaux qui ont failli et qui n'arrivent pas, ça fait des années qu'ils n'y arrivent pas. Il est temps que l'État reprenne la main sur cette question parce que ce sont nos concitoyens qui souffrent. Et une question d'ego de nos politiques n'arrive pas à régler un sujet si important. Donc il faut que l'État, c'est sa prérogative, l'État puisse fournir de l'eau à nos concitoyens, donc reprendre la main sur ce dossier, et après on verra pour la gestion. Mais le plus important, c'est que l'État doit nous garantir de l'eau dans notre robinet. Donc il faut une solution par la loi. Oui, il faut une solution par la loi et par l'État. Très bien. Comment le Rassemblement national se positionne-t-il pour les grandes échéances qui nous attendent, les régionales, les départementales? Votre parti sera sur les deux fronts? Le départemental, nous travaillons avec des candidats qui seront investis par le Rassemblement national. Sachant des régionales, nous allons soutenir un candidat qui sera présent et je pense que ce sera la députée européenne. D'accord. Voilà. C'est déjà acté. Non, il y a un bureau exécutif qui décide, il y a une commission nationale d'investiture qui décide qui sera candidat ou pas au régional et qui c'est que nous allons soutenir, et notamment pour les départementales. Voilà. Donc ce sera Mme Pire-Bacas. Je pense. Oui. Avec qui derrière? Ça, je ne sais pas, vous allez voir comme tout le monde. C'est la question, la bonne question. Et pour les départementales, vous serez candidat? C'est une large question, on ne sait pas encore, on verra comment se déroule la. L'objectif pour vous, c'est d'avoir des candidats un peu partout. Alors, en toute sincérité, je est-ce que le Rassemblement est en capacité de présenter des candidats dans tous les cantons? Il n'y a aucun parti qui sont capables de faire ça aujourd'hui. Peut-être le GUSR, mais voilà, et encore. Hein. Non, c'est très compliqué pour tout le monde aujourd'hui. C'est pas l'ambition, c'est vraiment d'avoir des candidats de qualité qui reflètent réellement nos idéaux politiques. C'est le plus important pour ne pas avoir de couac par la suite. Mmh. Moi, à titre personnel, ce qui m'intéresse réellement, c'est de pouvoir changer les lois. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est 2022 avec les législatives. Voilà. Très bien. Bon, on a déjà pris date. Oui. Merci à vous, Rodi Tolassi, d'avoir été notre invité. C'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Franc-Parler sur votre chaîne locale Éclair TV.